Ah ben, salutations à vous tous qui me suivez partout. Nous sommes ici au ministère de la Justice, plus précisément au palais de la Justice, où au nom de la société civile, les collectifs d'avocats ont y accompagné Christopher Ngoyi, qui est un défenseur des droits de l'homme. Tous y sont venus déposer un mémo contre l'élection de Joseph Malonda à la tête de la CENI. Voyez-vous, même le pays est en feu. Hein. C'est dans toutes les provinces qu'on est en train de marcher et déposer des mémos contre ces choix des FCC à la tête de la CENI. On ne veut pas de lui, pas trop de commentaires. Suivons l'ambiance et on se retrouve juste après. Merci à Karine derrière la caméra. Vous savez qu'en ce moment, le pays est en pleine effervescence. Il y a des marches qui sont organisées, qui entraînent des morts, qui entraînent une exposition du peuple, souvent imprimaire, sachant bien que nous sommes en état d'urgence, il y a Covid-19 qui est en train de sévir, c'est qu'il y a une situation qui a mis tout le monde mal à l'aise. Et cette situation est consécutive à l'intérim de la candidature de M. Ronsa Malonda par l'Assemblée nationale de la manière que vous connaissez. Nous, Société civile de la République démocratique du Congo, nous avons décidé, en dehors de toutes les voies de pression utilisées jusqu'à présent, nous avons décidé d'impliquer la justice, qui est un pouvoir distinct. Et nous sommes là aujourd'hui au parquet général, près du Conseil d'État, pour demander l'ouverture d'une information quant à la manière dont M. Malonda a été entériné. Beaucoup d'informations qui circulent, qui font état de pression, de fraude, et tout cela, nous pensons bien que la justice devait en connaître. Mener des enquêtes de manière infinitésimale pour tirer les conséquences et déterminer, ça c'est le travail que le parquet général va effectuer, et pouvoir saisir le Conseil d'État le cas échéant. Est-ce que la surprise a été résolue au niveau de cette étape? Oui, ils ont reçu notre. Ils ont très bien accueilli notre démarche, étant donné que la justice est au service du peuple souverain primaire. Ils ont très bien accueilli notre demande d'ouverture d'informations et nous espérons bien qu'ils vont devoir travailler pour que le peuple soit éclairé et que qu'on procède à, s'il y a besoin, à pouvoir rectifier ce qui a été fait et qui met très mal à l'aise les Congolais, qui met en péril le processus démocratique qui nous engage tous, parce que le pays s'appelle République démocratique du Congo. Donc la démocratie fait partie de notre identité. Et nous devons, nous Congolais, utiliser feu de tout bois pour arriver à bloquer cette entreprise qui apparente à une arnaque. C'est quoi la prochaine étape après celle-ci pour la société civile? La prochaine étape, c'est la pression que nous allons exercer sur la justice pour qu'elle puisse, les enquêtes puissent se mener jusqu'à terme et qu'on soit informé des conclusions. Et nous espérons bien que ces conclusions vont amener le parquet près le Conseil d'État à saisir le Conseil d'État. Et si votre démarche aboutissait, qu'est-ce que vous allez faire? Si notre démarche n'aboutissait pas, nous ne pouvons pas déjà être pessimistes. Nous faisons confiance à la justice qui, dans un passé récent, a montré qu'elle était digne de cette confiance. Tout peut arriver. Votre plan B au cas où? Le plan B aujourd'hui est qu'il y a des grandes manifestations qui s'organisent. La société civile, la RDC, au nom du peuple congolais, a lancé une pétition. Et cette pétition va recueillir des milliers de signatures de Congolais qui seront déposées sur la table du président de la République, et les Nations Unies également seront informées, l'Union africaine. Et ça sera notre dernier avertissement. C'est-à-dire quoi? Le président prendra toutes ses responsabilités en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Et cette pétition, nous demandons la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que cette Assemblée ne reflète plus la volonté
ou les aspirations profondes du souverain primaire. Monsieur Christopher, vous ne voulez pas de la personne de Ronsard Malonda à la tête de la CENI ou vous ne voulez pas d'un kabyliste à la tête de la CENI? Écoutez, la CENI a été caporalisée depuis 3 éditions maintenant et il faut qu'on y mette fin. Les conséquences de cette caporalisation sont connues de tous. Personne ne peut dire qu'il ignore la manière dont les élections se sont déroulées en 2006, en 2011 et voire en 2018 au regard de la configuration de l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui. Au regard du travail qu'ils sont en train d'accomplir et nous venons de vous répéter que cette Assemblée ne reflète pas la volonté ou les aspirations du souverain primaire du peuple congolais. Il y a des grandes manifestations parce que les actes posés par cette Assemblée ne rencontrent pas la volonté ou les aspirations profondes de notre peuple. Et nous disons, le peuple reste souverain. Il a des mécanismes allant jusqu'à l'application de l'article 64 de notre Constitution et nous allons les utiliser. Cette fois-ci, 60 ans après notre indépendance, nous n'entendons pas qu'un groupe d'individus puisse nous asservir. Ça, ce n'est plus acceptable. Vous ne pensez pas que vous êtes en train d'agir en aval? Il fallait jouer en amont? Déjà avant ont été mises en demeure de faire ce travail, alors que nous pensions que, selon le bon sens, c'est un travail qui devait passer d'abord par le ministère de l'Intérieur. Et tout le monde devrait être informé. Mais ici, on a appelé les confessions religieuses pour leur donner un ultimatum presque, pour dire, avant la fin ou la clôture de cette session, vous devez nous présenter de celui qui sera la CENI. Et elles étaient sous pression, Alors, ça s'est passé, comme vous savez, dans un cafouillage indescriptible que nous déplorons. Aujourd'hui, nous sommes société civile. Si l'option de choisir les confessions religieuses a été prise, nous pensons que le législateur avait pensé que ça soit la composante où l'on pourrait trouver des hommes respectables, des hommes crédibles. Mais malheureusement, il y a des langues qui se dévoilent, il y a certains pasteurs qui disent toujours qu'ils reçoivent l'argent. Et nous, peuple, devrions-nous accepter que des gens qui sont censés, qui sont présumés être crédibles, puissent étaler de telles pratiques et nous croiser les bras, penser que les choses iraient au mieux de nos intérêts? Non. C'est pourquoi nous sommes debout et nous irons jusqu'au bout. Bon, la sortie à secrétaire permanent. Merci Manango, ce sont nos conseils. Vous allez poser les questions. Merci Mingi. À nos avocats. Société civile à la République démocratique du Congo, Ndenga Bomoni, Mokola Lelo, eh bien, Totamboli, Titi, Tokoma Awa, na parquet général prêt à Conseil d'État. Awa, Société civile à la République démocratique du Congo, Aye. Na ba avocat o nyonso bozali komona collectif mobimbo ya ba avocat o bandimeli makamba mboka pambate lelo oyo likambo ezali kotungisa peuple congolais ezali likambo o etali processus électoral biso nyonso tolandaki na ndenge bautaki ko désigner na ndenga nyamu nyamu Ronsard Malonda na niveau ya assemblée nationale awa toloba makambo PV ya lokuta. Awa to loba consensus ba dégagé té awa to loba ba confession religieuse ya minene ezala ba catholique to pe ba protestante ba floué bango to monique 2006 2011 2018 ezala ki na koko sokoleka bongo ya mbalo au peuple a télémi biso nyonso to moni ba marche ndenge salemi biso nyonso to moni ndenge peuple azali ko bunda na buna po makambo esila yango wana société civile la république démocratique du congo na conseil na emo bimba collectif na emo bimba ya ba avocat bo moni bango bazali ya wanzike tolobi te ya mbalo to ko télema to saisir pe voie judiciaire yango wana information et uto kota lelo ba ko attribuer yango bongo na mikolo ezali koya to ko yeba ba luka ba fait infractionnel na nazwa ki mbongo wa l'état po ba ko akosala ba pepo ya lukuta oyo ba tunyoso bazali ko déplorer talati na oyo société civile la république démocratique du congo et ye mokolo lelo to zali ko jimeler ba voix nyonso to sangisa ngo to mutualiser ngo po na tina ke peuple azala toujours vainqueur. Peuple, plus rien ne se passera sans vous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Toton Debino. Bonjour madame.
Oui, comme vous venez de le constater, le coordonnateur national de la société civile de la RDC venait de vous montrer que, au-delà de toutes les actions qui ont été menées depuis sur terrain, et nous avons été consultés et constitués conseil de la société civile afin de réfléchir dans la mesure où nous pourrions obtenir l'annulation de l'acte d'entérinement Onsa Malonda comme candidat à la CENI. Donc nous avions réfléchi, nous avons fait des propositions sur le plan juridique. Nous avons estimé opportun de pouvoir saisir, n'est-ce pas, le parquet général près du Conseil d'État qui intervient que lorsque les intérêts, l'intérêt général donc, de la population congolaise est mis en cause, également lorsque le droit et libertés fondamentaux des citoyens sont entamés. Et lorsque vous constatez que, avec tout ce qu'il y a eu, des troubles, des morts, des dégâts, on ne peut pas calculer, hein, avec ce qui s'est passé même hier, et ce qui vont se passer encore dans les jours qui suivent ici, nous avions estimé qu'on devait saisir le parquet général près du Conseil d'État sur pied de l'article 134 combiné avec l'article 136 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil d'État à République démocratique du Congo. Pour attendre votre client, est-ce que vous avez déjà des preuves qui démontrent qu'il y a eu des PV qui ne sont pas à vos du moment où nous avions tous suivi le procès verbal d'entérinement, c'est un acte administratif émanant de l'Assemblée générale, qui, l'Assemblée nationale, qui devra nous déterminer est-ce que toute cette question avait été retenue à l'ordre du jour, est-ce que les documents, l'acte de désignation émanant de confession religieuse a été distribué 48 heures avant tel que l'exige le règlement intérieur et voir si tel que prévu l'article 49 du règlement intérieur que nous avons compulsé qui dit que lorsqu'il y a une question pareille d'entérinement, la plénière doit créer une commission ad hoc qui aura pour mission de pouvoir analyser, étudier la question, enfin d'être soumise à la plénière pour que ça fasse l'objet d'un vote. Donc, il revient au ministère public, nous n'avons pas de preuves. Sa mission, elle est connue de par le texte qui organise ce parquet-là, qui pourra mener des actions. Il est en droit de pouvoir correspondre avec n'importe quelle institution pour avoir la lumière. Donc, poser des actes de droit donc qui relève de ses attributions. Une fois éclairé, il pourra, n'est-ce pas, saisir le Conseil d'État par un réquisitoire du ministère public tendant à obtenir l'annulation de l'acte incriminé. Merci. Oui, c'est sur le plan du droit. Vous allez constater que nous sommes venus accompagner notre client, M. Christopher Ngoyi Mutamba, pour déposer, je fais ça malheureusement, pour déposer une demande d'information judiciaire autour du dossier Malonda. Donc, je venais saisir le parquet général près le Conseil d'État. Merci. Le Tomoï, la douceur au sein, hein, Malonda. Encore une fois, Tomoï au sein, hein, Malonda. Yassono, pourquoi Tomoï au sein, Malonda? C'est un choix de Kabila. Vous savez, il a dirigé pendant 18 ans, bilan zéro. Pas meurtre, pas de crime, mais gestion. Alors, amener encore ce Rossa Malonda dans la tête, Yassini, c'est le retour en force des
Joseph Kabila ou Hippolyte Kanambe. À ma droite, vous les remarquez vous-même, c'est lui, les mollas, la tête même. Oh, le monde entier s'appelle Yena Kambaseni. Comment terminer ça les Athéniens? Juste un mot seulement. Pour ça, la caméra peut venir. Tout le monde a dit, Abunda, 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 tant qu'il y a un faux Victor et Monisama. Mami, monsieur Christopher Ngoyi, un mot. Le Manabiso, en tant que serviteur du peuple, démocratie, ça pouvoir, il y a peuple, qu'on a peuple, peine à peuple. Les loyaux, Congo est bien amis dans la République démocratique du Congo. Et l'Inga était démocratie, ça a encore la identité de la mission. Bambaté avec raison, parce que pour la démocratie vendaté, il y a un monde qui souffre qu'il moyen. Alors, base de la démocratie, c'est une élection. Un peuple pour la bateau pour représenter. Et si la manœuvre magouille et ça les macas, il faut ici petit peuple dans la pauvreté. 2006, oui, 2011, même chose. 2018, Awa, parce que Kokosa, au niveau de l'Assemblée nationale, Batier Bato va représenter le peuple. Alors, Bango attaque au peuple, Azali, Ndenga Azali n'a pas aspiration, mais Bango va lingi, pas à la Kawana, pas à la majorité, on a Yamouibi. Badon doit peuple azo souffrir. Détina nini bakeko lokota sa malonda oza poule ya nanga avant de venir kaswana a garantir bango majorité ya lokota. Le maloyo peuple a boui. Merci vraiment. Chers amis de la Mouka, chers amis de Cash, chers amis peuple congolais, je vous présente l'homme que le peuple a choisi pour diriger la CENI. Il s'appelle Christopher Ngoyi. Merci, à la prochaine. Alors, de retour sur ce plateau, comme vous l'avez remarqué, on a été au Conseil d'État, au ministère de la Justice, au Palais de la Justice, où un collectif d'avocats qui y a accompagné Christopher Ngoyi, qui est un défenseur des droits de l'homme, pour le dépôt de mémoire. Alors, nous allons vraiment approfondir, ce qui y a été à la une de cette rencontre d'aujourd'hui avec l'avocat, mais avec maître Petrus Kalala. Nous sommes dans son cabinet. Alors, pas trop de commentaires. Je reçois pour vous maître Petrus Kalala, que je salue pour vous. Bonjour maître. Bonjour, bonjour monsieur son rival. Oui, maître, on vous a vu remettre les moments. C'était pourquoi? Oui, en fait, ce n'est pas un mémo, c'est une lettre d'information tendant à informer le procureur général près le Conseil d'État donc de tout ce qui se passe par rapport à l'intérimement par l'Assemblée nationale de M. Rosa Malonda comme président donc de la CENI. Sur le plan technique, dites-nous un peu, pourquoi vous contestez son choix? Pourtant, il a été voté par la majorité des gens. Oui, donc nous avions été consultés, constitués avocats conseil de la société civile de la RDC, qui est notre client. Et il nous a demandé de pouvoir étudier le mécanisme juridique pouvant obtenir l'annulation de cet entérinement devant le Conseil d'État. Il s'y est ici de rappeler que lors des assises de confession religieuse, ils avaient procédé entre guillemets à la désignation de Rosa Malonda comme candidat à la président de la CENI, mais il s'est fait que quelques temps après sa publication, la publication donc de cette information, il y a eu des réactions venant de partout, commençant par l'Église catholique, l'Église kimbanguiste, la communauté islamique et d'autres grandes confessions religieuses du pays que vous connaissez. Ils ont décrié tous que leur choix n'avait pas été porté sur la personne de
de Malonda, ce qui fait que ils n'avaient même pas signé le procès verbal transmis par devant l'Assemblée nationale par le pasteur révérend donc Sonny Kafuta. Alors, lorsque ces documents étaient transmis, qui comportaient des irrégularités, nous avons dit, écoutez, il y a un principe sacro-saint en droit qui dit fraus omnia corrupti, donc la fraude constatée corrompt tout, et que ces processus électoraux ne pouvaient pas être teintés des irrégularités déjà tout au début comme ça. C'est pourquoi nous avions voulu donc assez que la justice soit saisie donc de cette question, enfin de voir dans la mesure du possible comment obtenir l'annulation de l'acte d'entérinement, donc l'entérinement parce que par l'Assemblée nationale, comme vous le savez très bien, nous avions tous suivi que la manière dont donc cet entérinement a été fait, ça s'est fait le soir. Car cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour de cette plénière-là. Je voulais juste savoir, vous savez, depuis un certain temps, j'aime plus parler en lingala pour essonga bande konabiso mingi ba congolais pour soko tali bato ba marcha kebele bango nyoso nde ba yebi francité bango nyoso nde bazali ko comprendre makambo oyo maître avocat ko expliquer te na ba mo ba antena bango bazo comprendre te ba bilo rebele ko limbo la vraiment na lolingi oyo petit peuple a ko comprendre. Ma question est la suivante, na kati ya question ezana ba sou question bele ya liboso ndenge élection wana esalema ki choix ya malonda Sonny Kafuta memi yango ya liboso ki ba ndeko nyonso oyo soit déjà ba votaki et ki ba posa ki signature na bango te selon mibeko ya mboka, est-ce que bato wana ba koza la poursuivite Sonny a koza la poursuivite ne ake ko pesa dossier pendant que ba confession religieuse monsieur ba ndeko monsieur ba signa kite d'où Sonny a koza la poursuivite à la lumière ya loi. Deuxième chose, n'assemblée Ndenge Janine Mabunda a memaki yango na lombangu nyonso à la lumière aussi ya mibeko, est-ce que ndenge esalemaka pour ceux qui sont ndenge esalemaka te na YP il faut azala poursuivi. Troisième, pour na kusukisa na grande question au Ezali, au point où nous sommes, qu'est-ce qui peut se passer? On ne veut pas maintenant de Malonda. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut pas reprendre l'élection ou soit il faut dossier et qui n'est pas Moutoumoussoussou. Soit Mokonzi Mboka yende a mi pone la sikoyo président ko dirige CENI ou bien vous proposez quoi? Annuler nini élection à Malonda? Oui, c'est bien, mais vous proposez quoi ou vous proposez qui? C'est vraiment important. Tozongi et Painayo, moi na Mboka, maître Petrus. Oui, merci beaucoup Ndeko sans rival. Ce serait un peu difficile de parler de concept technique de droit en lingala, mais na komeka moi ko bunda muke. Donc il s'est fait que comme nous avons dit dans notre requête, hein, dans notre lettre d'information adressée au procureur général auprès le Conseil d'État pour le compte il y a société civile, que entérinement wana est violé règlement d'ordre intérieur il y a Assemblée nationale qui voudrait un article naïe 149 que toutes les questions relatives à l'intérinement et à la désignation pour napper batu mususu pour na kozana ba institution mususu doit faire l'objet d'abord d'une discussion na katia plénière, mais aussi va mettre en place une commission ad hoc qui sera chargée pour na ko étudier quintessence il y a question wana et puis va soumettre en gros dans vote, ce qui n'a pas été fait. Donc de constater que ce soit au niveau il y a la confession religieuse, il y a eu quelques difficultés, des irrégularités, de constater en gros pelu sous violation grave il y a règlement intérieur, il y a Assemblée nationale spécialement na article nango 49 70, il y a règlement intérieur, un mécanisme n'y a pas quitté,
les documents là, le PV devait être distribué 48 heures avant que Bassou Maître et Ango n'a vote, n'a plénière. Toute cette procédure n'a pas été observée et pas il y a Bande Konabiso, il y a Assemblée nationale. C'est pourquoi nous avions sur pied de l'article 134 combiné avec l'article 136, il y a loi portant, loi organique, bien sûr, portant organisation, fonctionnement et conseil d'État. Tout Sengi, le ministère public a pouvoir amener l'enquête. Hein. Vous savez, la justice congolaise aujourd'hui est commis justice donc Nyabusembo et Kufungola banquette Nango en toute indépendance pour n'a pas déterminer la responsabilité et il revient donc au parquet s'il estime que les faits tels que entendus, renseignés, exposés leurs auteurs n'a pas faits infractionnels, donc il lui reviendra de pouvoir apprécier de l'opportunité de pouvoir mettre en action donc l'action du ministère public, donc la mise en mouvement de l'action publique. Nde Yangwana donc démarche Nabusso en tant que avocat et la société civile de la RDC consistait à pouvoir attirer l'attention il y a parquet près Conseil d'État pour un mécanisme en attendant Bango basa la réquisitoire pour que saisir Conseil d'État pour obtenir annulation. Donc, lorsque l'annulation sera faite, alors les confessions religieuses vont revenir dans leur prestin état. Donc, courrier, basicot, copona, en bonne et due forme. Bango les soussous. Bango les soussous, bongo. Oui, bon, Kolia, bongo, nous, on n'est pas vraiment là. Je ne sais pas prendre de position par rapport à ça, mais ce qui est important, loi organique portant et organisation fonctionnement, il y a CENI, et ça, ça n'ingi ça, na société civile, ne a mié bakopona, président Yasseni. Donc, il faudrait peut-être voir quels sont les mécanismes de garde-fous à mettre en place pour que cette fois-ci, irrégularité déplorée ici, pour conduire dans la marche, dans la trouble. Donc, ils allaient. Alors, pour terminer, tout l'a dit pasteur Sonny Kafuta Makamba Lobby, noir sur blanc, a accusé cardinal Ambongo na Bécholé, qui est basé pour choix à Josan Malonda, Josan Malonda et puis Baboui Balouba. Sur tout ça, na loi, yoza mutami beko. Est-ce que na bino batami beko, zala mo beko o e boi, ke non, mouluba ko dirige senite. Nege to landi soni kafuta, alobi, Ambongo, kardan Ambongo na, abechole, baboi, baluba. Lokola, mokonzi mboka, aza mouluba, baboi, mokonzi ko dirige senite, zala lisu mouluba. Réaction na yo, isanine. Oui, en tant que avocat, juriste, donc c'est tout ces propos-là, si entre guillemets, sous Kizabongo, ils allient vraiment anticonstitutionnels dans le sens que la Constitution interdit qu'un citoyen congolais fasse l'objet d'une discrimination tenant compte de son appartenance politique, de ses convictions, de ses convictions de sa province, de sa tribu. Donc, c'est vraiment anticonstitutionnel, si seulement si cela est établi que Ndekonabiso, Monseigneur Cardinal Alobaki Yango. Et donc, c'est toutes ces questions-là que nous avions soumises, n'est-ce pas, à l'appréciation, à la vérification du parquet général près le Conseil d'État, a étudié paramètres Nyonson parce que l'article 136 dit que lorsque l'intérêt
générale est menacée et que est aussi en particulier le droit et libertés fondamentaux. Si ces droits-là sont entamés, on peut saisir le ministère public peut se saisir pour obtenir l'annulation donc de tout. On va vérifier parce que il n'est pas concevable que moi Namboka, quelle que soit province naïe, quelle que soit ma conviction naïe, à Kokakozala discriminé pour nakozwa fonction moko à Kambapé, denge batumususo ya bikolo mususu peza Kokamba. Donc nous trouvons ces propos-là anticonstitutionnels, donc il reviendra au parquet général de pouvoir vérifier. Mais c'est pour tout ce qui peut retenir nos téléspectateurs en ce jour, le passage de l'émission sans rivaliser. Donc merci. Ce que les gens peuvent retenir, c'est que nous avons été déposé une lettre d'information auprès du Conseil d'État sur pied de l'article 134 et 136 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil d'État parce que pour obtenir donc et des vérifications de faits une fois établies, il reviendra au ministère public de saisir le Conseil d'État pour obtenir l'annulation par le Conseil d'État évidemment puis de l'acte portant entérinement de Rosa Malonga, donc qui est le procès verbal de la plénière du 2 juillet 2020, qui est un acte administratif qui peut faire l'objet d'une annulation devant le Conseil d'État. C'est par là qu'on doit mettre un point final à notre tranche, sans toutefois oublier de dire un mot à propos des enjeux politiques de l'heure. Vous savez, vous-même, en français, on dit « qui a biboira, qui a trahi, trahira ». Pourquoi revenir encore sur les mêmes personnes qui sont très corruptibles, les mêmes personnes qui ont déçu des milliers, des millions de Congolais? À la lumière de ce que Maître Petrus vient de dire, qu'on doit reprendre encore, Kakanabali Longuana corruptible, ce qui FCC pèse qui bango 10 000, ce qui va reprendre les sous-touros, il va combattre 30 et comme 40 000. Est-ce que tout ce peuple, tout le monde s'en fout de bango? Ils sont habitués à tout ce monde s'en fout. Ils s'en foutent du peuple. Vraiment. Alors, peuple congolais, Asengi, Milongona les sous-souti. Autant mieux, Makamoussou Salima, soit ministère intérieur, à Zoa, organisation à CENI, ou soit Papa Mokonzi, président de la République Yemoko, à Sala choix, pour Souki Touzungi, Soukaneba, même Milongi. Vous vous souvenez qu'en 2006, quand même l'église a sonné Kafoutaba, Panda Yango, Nikoloka Yama Makamboy, qui a trahi, trahira. Et Lelo Lissousou, l'église a sonné, ma pensée, Kaka Nikola Makamboy. Vous vous souvenez qu'il y a San City, Negonanga Yana propre, Bishop Kankinza, a été accusé dans le Kabbalah Batoubambongo dans San City, pour pas voter Makamboy à Kabila, Nigé Tokomaki, Tina ba 1 plus 4, Tina ba Kometeni Kabila. Bishop Kankinza, s'il vous plaît. Vous comprenez vous-même. Église catholique Tokéi, vous vous souvenez du cardinal Monsengo qui n'a pas aimé les choix de Féné, de Tim Tshisekedi, comme premier ministre. Il a profité. Baza vivant il est là, il est là, il est la conférence nationale souveraine. Il a aimé la biso Kengo. Cardinal Monsengo n'a aimé la biso Kengo. Oh, le loba, a commis héros national, dans notre, dans ma commune, il a salé, il a habité, il a dit, qui est héros national, béba, hein? Franchement. Alors, même confession religieuse, lelo cardinal Mosengo a commis dans la mouka. Alors, Ambongo lelo, Ndenge Moko, Bakomi Kouangana, Soni, Basali Anzambe, qui sont censés être des modèles, Bakomi Kouangana. Batou Bakoufi na marche, hein? Nanyaza, auteur, Yamakambo no souyu. Isaba Soni, puis Isaba Cardinal Ambo, Naba Bicholi. Qu'on se voile pas la face. Alors, Bino Balandia son rival, s'il vous plaît, mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nanasuki Awa, Tokutani Mbala Yasima.